encore bonjour ce matin à tout le monde. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que en cette fin d'année, sa lumière nous éclaire. Et que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec tous les membres complets. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un à qui Dieu avait promis une nouvelle année. Dieu lui avait dit que tu vas rentrer dans cette nouvelle année avec ma bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et effectivement, il est rentré dans la nouvelle année. Mais vous savez comment il est rentré dans la nouvelle année? Il est rentré dans la nouvelle année avec les bras coupés. Et un jour, il appelle Dieu. Il dit, mais tu m'as pas dit que j'allais avoir les bras coupés? Dieu lui a dit, effectivement, je t'ai promis que tu rentres dans la nouvelle année, mais je ne t'ai pas dit que tu n'as pas à être complet pour entrer là-bas. Amen. Amen. Vous dites que nous tous, on rentre dans la nouvelle année, mais on ne rentre pas de la même manière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que celui qui peut comprendre, comprenne ce matin. Amen. Notre test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 28. Jésus, là-bas, veut nous parler. Jésus encore veut te donner sa parole. Je me réjouirais plus si tu peux écrire cette parole ce matin sur la table de ton cœur. Luc 9, verset 28. Je serai encore plus dans la joie si tu peux utiliser cette parole-là dans certaines circonstances de ta vie. Merci Seigneur. Luc 9, verset 28. La Bible dit ceci. Environ 8 jours après qu'il lui dit cette parole, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Amen. Avant d'aller plus loin, parlons un peu d'abord de ce verset 1 du chapitre 9, du moins de ce verset 28 du chapitre 9 que nous venons de lire. Il dit, la Bible dit, 8 jours après, Jésus voulait partir quelque part. Il voulait se retirer un peu. Jésus voulait faire quelque chose. Il a combien de disciples dans le groupe de Jésus? Mais là, il a pris combien? Il a pris 3. Il faut que déjà là, ça soit un enseignement pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui doit voir ce que tu fais. Même dans le ministère. Ce n'est pas tout le monde qu'on prend pour régler certaines affaires. Alléluia. Les 12 là, c'est lui qui les a choisis. C'est son staff. C'est son groupe. Ça n'a rien à voir avec le peuple qui est la foule. Mais même encore parmi les 12, il prend encore 3. Parce que ce qu'il s'apprête à faire là, c'est spécial. Amen. C'est spécial. Donc, il faudrait que ceux qui vont m'accompagner soient vraiment des personnes spéciales. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu as des choses à faire, il faut savoir c'est qui tu appelles pour t'accompagner. Amen. À qui tu confies. Qui tu appelles pour écouter ta chose. Parce que n'importe qui ne doit pas voir ça. Amen. N'importe qui ne doit pas entendre ça. Chaque pas que Jésus met là, ne voyez pas ça comme un hasard, hein. Et puis, je vous ai dit une fois ici que vous n'avez pas plus d'onction que Jésus. Donc, si Jésus lui-même s'est fait attention à certaines choses, ce n'est pas vous qui devez agir comme si la vie c'est un hasard. Vous aussi, vous devez apprendre à faire attention à certaines choses. Ne pensez pas que vous êtes plus onctionné. Vous avez trop vu Dieu. Amen. Personne n'a vu trop Dieu ici. Mais Jésus lui-même qui est sorti de Dieu, il s'est fait attention. Donc, dans tes affaires, il y a affaires et puis il y a affaires.
dans tes secrets là, il y a secret et puis il y a secret. Il faut savoir c'est qui tu appelles, qui est vraiment à côté de toi. On va poursuivre. Et la Bible dit que quand il a pris les trois, c'était pour aller sur la montagne. Il voulait que les trois l'accompagnent pour aller sur la montagne. Qu'est-ce que Jésus partait faire sur la montagne? C'est mentionné dans notre verset 28, toujours. Il est parti pour prier. Alléluia. Il est parti pour prier. Eux, ils vont rester, regardez, ils laissent la foule quelque part. Juste après, dans les disciples, ils laissent un autre groupe aussi quelque part. Et même jusque là encore, les trois qu'il prend là, il va les laisser encore quelque part. Maintenant, lui seul, il va monter sur la montagne pour prier. Si Jésus a besoin de prière, je ne pense pas que toi, tu vas échapper à la prière. Gloire à Dieu. Amen. Si je pose la question ce matin, quelqu'un qui s'est levé ce matin dans la prière, je ne sais pas combien de personnes vont se lever. Par contre, s'il demande combien de personnes ont mangé le pain avec du beurre, il y aura beaucoup de cholestérol dans notre corps comme c'est là ce matin. Combien de personnes ont mangé le riz couché? Mais on sait nourrir le corps. Mais pourquoi on ne sait pas nourrir l'âme? Vous n'êtes pas plus fort que Jésus. Mais pourquoi lui prie que vous ne priez pas? Je ne parle pas de la prière de groupe. Hein. Prière de groupe, tout le monde sait faire ça. Quand on est en groupe, on dit prions, il faut voir. Ça lance les pieds, tu ne fais pas attention, mais ça rentre dans ton ventre aussi. Je parle de la prière que Jésus vient de faire là. Ça n'avait rien à voir avec la foule. Ça n'avait rien à voir avec les 12. Même avec les 3 qui sont restés. C'était une prière personnelle. Est-ce que toi, tu as une prière personnelle? Est-ce que tu as une prière que tu fais toi seul? Dans le secret. Qui n'a rien à voir avec la prière des pharisiens, des sadduciens. Une prière qui crée une intimité entre toi avec Dieu. Une prière où toi seul dans ta chambre, parce que la montagne ici, c'était le lieu de prière de Jésus. Moi, je ne sais pas si il va dire à quelqu'un ce matin d'aller à manger. Je ne vais pas dire d'aller à manger, puisque c'est là-bas qu'on trouve généralement les montagnes. Mais ta chambre peut être ta montagne. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu fléchis les genoux peut être ta montagne. Amen. Regardez, Dieu ne cherche plus les montagnes maintenant. Pourquoi on va prier? Il cherche des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc quand tu fléchis les genoux dans ta chambre, ça provoque quelque chose dans le trône de Dieu. Amen. Donc si Jésus a fait ça, pourquoi vous ne faites pas ça? Et je pense pour ma part, ce matin, que si Jésus marche avec nous, les sentiments qui étaient en lui doivent aussi nous animer. Amen. C'est la prière qui va te faire éviter beaucoup de choses. Ce n'est pas le fait de t'attacher avec des cordes. Alléluia. Amen. C'est la prière qui peut t'aider à dépasser certaines situations dans ta vie. C'est la situation qui peut t'aider à voir des choses. Quand tu étais dans le monde qui te fatiguait, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance pour toi. C'est la prière qui peut te faire faire ça. Sinon, sans la prière, nous ne sommes rien. Donc, si Jésus lui-même partait sur la montagne, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui me comprend, qui m'entend, toi aussi, apprends à aller sur ta montagne. Pendant, verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Ce matin, je n'ai pas prévu parler de la prière, j'ai prévu parler d'autre chose, mais comme c'est sur notre route, on en parle en même temps. Vous voyez, quand il a commencé à prier, la Bible dit que l'aspect de son visage a commencé à changer. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai dit que nous avons, quand on dit qu'on a un père fils spirituel, ça veut dire d'abord que tu es un père physique. Le père physique là, il est pour ce que je vois actuellement devant moi, ce que je peux toucher présentement, le corps que vous avez. Donc, si tu es aussi un père spirituel, il doit être aussi pour un corps spirituel. Et le corps spirituel, c'est ce qu'on a, la Bible a appelé l'homme intérieur. Et là, qu'est-ce que la Bible dit? Son aspect a changé. Quand tu vas te mettre à prier, quand tu vas te mettre dans une condition de prière, ce n'est pas l'aspect physique qui va changer d'abord, c'est l'homme intérieur qui change d'abord.
La gloire de Dieu descend sur cet homme intérieur, sur la personne qui est à l'intérieur de toi. Et maintenant, ça se reproduit sur le visage. Alléluia. Amen. Une prière qui n'est pas capable de changer ton aspect, c'est que tu n'as pas bien prié. Ou bien, il faut aller voir à qui tu as adressé ta prière. Sinon, là, la Bible dit que son aspect a changé. Son vêtement est devenu blanc. La prière doit pouvoir te faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit que je n'ai pas pu parler de ça, mais comme c'est sur notre route, on en parle en même temps. On évolue, et voici, verset 30 maintenant. Deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Pourquoi Dieu a pris Moïse et Élie? Un jour on en parlera. Qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voici où je veux en venir maintenant. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenu éveillé, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Amen. Voici le texte qui a attiré mon attention. La plupart des disciples de Jésus, en tout cas pour la plupart, ce sont des pécheurs. Alléluia. Ce sont des pécheurs. Y compris Pierre lui-même qui a pris la parole ici pour dire à Jésus, à cause de la gloire que nous venons de voir, à cause de la gloire qui est descendue sur nous, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes. Donc en un mot, construisons quelque chose. Une pour Moïse, Élie, et une pour toi. Je me suis posé la question. Parce que quand on dit la pêche là, change les cicades de la pêche, on va trouver pirogue ou bien bateau. On peut trouver quoi encore? Filet. On peut trouver poisson, hameçon, vers l'été. Mais on ne trouve pas brique dedans. On ne trouve pas ciment dedans. Donc, Pierre, tu avais des qualités de maçon qu'on ne connaissait pas. Rappelez-vous qu'un jour, quelqu'un voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, les oiseaux ont des coins où reposer les têtes, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc toi, Pierre, tu pouvais construire un coin, Jésus allait reposer sa tête là-bas, et tu ne nous l'as jamais dit. Mais en réalité, Pierre n'était pas un maçon. Mais à cause de la gloire de Dieu qui est descendue, Pierre pouvait faire quelque chose que l'homme ne lui a pas appris. Si la gloire de Dieu vient sur toi ce matin, tu vas faire des choses même qu'on ne t'a pas apprises à l'école. Tu vas faire des choses que l'homme ne t'a pas montrées. Tu vas faire des choses mais qui sont impossibles aux yeux des hommes. Alléluia. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est impossible. Pierre ne peut pas construire. Pierre peut pêcher. Il peut te montrer les techniques de pêche. Mais il ne peut pas te montrer les techniques de construction parce qu'il n'est pas maçon. Mais à cause de la gloire de Dieu qui est descendue, il y a des choses que Pierre pouvait faire, même sans apprentissage. Si la gloire de Dieu est sur toi, il y a la voix que Dieu va te donner pour chanter qui n'a rien à voir avec la voix ordinaire. Alléluia. Il y a des techniques que Dieu va te donner dans ton foyer qui n'a rien à voir avec les techniques que les gens emploient dans leur foyer. Il y a des choses que Dieu va te montrer dans ta famille qui n'ont rien à voir avec les choses qu'on apprend à l'école. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'il va te donner pour ton entreprise qui ne donne pas aux autres à cause de la gloire qui est descendue sur toi. Je voudrais parler de la gloire de Dieu ce matin. Quand la gloire de Dieu est sur un homme, tout ce qu'il touche prospère automatiquement. Même si tu es dans un désert, Dieu peut faire pousser la forêt dans le désert pour toi. À cause de la gloire qui est sur toi. À cause de la gloire que Pierre a vue. Pierre est devenu maçon. Sans apprentissage. Sans effort. Il dit, construisons. Je sais que je peux construire. Parce que cette gloire que j'ai vue là, elle est sur moi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Amen. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Amen. Partout où tu es. Quoi que tu fasses, il y a des moments où tu auras besoin d'expérience. Il y a des moments où tu auras besoin de travail. Mais il y a des moments où la gloire de Dieu sera nécessaire pour toi. Amen. Et aujourd'hui, plus que jamais, la gloire de Dieu est nécessaire pour toi. Amen. Parce que tu as tenté ton expérience, ça n'a pas marché. Tu as tenté
ta propre connaissance, ça n'a pas marché. Tu as tenté l'argent aussi, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, reconnais que tu as besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut te faciliter la tâche. La gloire de Dieu peut te faciliter la vie. La gloire de Dieu peut te donner l'exaucement. La gloire de Dieu peut faire que les années que tu as perdues soient rattrapées aujourd'hui. Amen. La gloire de Dieu peut faire que ce que tu n'étais pas hier, tu le deviennes aujourd'hui. Amen. C'est la gloire de Dieu seul qui peut enlever un homme dans la boue et puis l'établir à la gloire à la table des rois. Amen. C'est la gloire de Dieu qui est capable de le faire. Amen. Ça change ton aspect. Ça change tout sur toi, tout dans ta vie. Mais remarquez que pour que ceux-là puissent voir la gloire de Dieu, il fallait qu'ils soient auprès de Jésus. Les autres n'ont pas vu. C'est seulement Pierre, Jean, Jacques qui ont vu. Parce que eux, ils étaient plus proches de lui par rapport aux autres. Toutefois que tu seras proche de Jésus, tu verras ce que les autres n'ont pas la capacité de voir. Amen. Toutefois que tu vas t'approcher de Jésus, il y a des choses qui vont venir sur toi, il y a des choses qui vont venir pour toi, que les autres auront du mal à comprendre, même à voir aussi. Parce que toi, tu es proche de Jésus. Donc, qu'on ne te retrouve pas chez tonton féticheur, qu'on ne te retrouve pas chez tanti affairage, qu'on ne te retrouve plus chez le petit copain, mais qu'on te retrouve auprès de Jésus. Amen. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Ne sois plus loin de Jésus à partir de maintenant. Amen. C'est pourquoi au départ, je vous ai parlé de la prière. Parce que la prière peut vous rapprocher de lui. Amen. La prière peut vous amener dans le cœur de Jésus. La prière personnelle. La prière individuelle. La prière que tu vas faire seul. La prière que tu mets à part pour Dieu. Ça va t'aider à voir la gloire de Dieu. Amen. À te rapprocher de Jésus. Amen. Donc, ce dont tu as besoin ce matin, c'est de voir la gloire de Dieu. Amen. Et pour voir cette gloire, tu as besoin d'être à côté de Jésus. Amen. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que tu ne sois pas loin de Jésus. Que tu ne sois pas loin de la maison de Dieu. Amen. L'objectif du diable, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi il est rentré dans le jardin. Il est rentré dans le jardin pour séparer l'homme avec Dieu. Parce que dans le jardin, Dieu venait de temps en temps à la rencontre de l'homme. Il y avait la gloire de Dieu dans le jardin. Il y avait la gloire de Dieu sur Adam. Il y avait la gloire de Dieu sur Ève. Le diable n'aime pas là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a l'amour. Comment il va faire pour séparer l'homme avec Dieu? Et c'est son combat jusqu'à aujourd'hui. Comment il va te faire pour t'éloigner de Jésus? Pour t'éloigner de la maison de Dieu? Il t'envoie les problèmes, tu ne faiblis pas. Il t'envoie les tribulations, tu ne faiblis pas. Tout ce qu'il envoie, il voit que ça ne marche pas. Il est en train de chercher une stratégie maintenant. 2016 là, que Dieu aussi te donne une stratégie. Amen. Alléluia. Amen. Reste à côté de Jésus, frère et soeur. Restons à côté de lui. Je ne vous demande pas de rester à côté d'un homme. Parce que l'homme, il est passager. L'homme peut te quitter du jour au lendemain. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut disparaître. L'argent peut finir un jour. Aujourd'hui, il y a des catastrophes. Donc la maison aussi peut tomber un jour. Reste à côté de Jésus. C'est la garantie que tu as ce matin. C'est là que tu vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut faire que, même sans le niveau, tu peux entrer à la présidence. Amen. La gloire de Dieu est capable de cela. La gloire de Dieu est capable de te faire entrer dans un hôpital. Tu n'as pas peut-être le moyen de te soigner, mais quelqu'un va dire que cette femme-là, j'ai envie de l'aider. Ce monsieur-là, j'ai envie de l'aider. Amen. Ça va changer ton aspect dans les yeux des gens. Amen. La gloire de Dieu peut faire que ton mari même va changer de visage envers toi. Parce que les gens ont mis un voile noir sur toi, mais aujourd'hui, ils ne voient plus ce voile noir, mais ils verront plutôt la gloire de Dieu. Amen. Ne cherchez pas la gloire qui vient des hommes. Parce qu'il y a la gloire qui vient des hommes, il y a la gloire qui vient de Dieu. La gloire qui vient des hommes, c'est quoi? C'est que tous les gens ont qu'à te féliciter. Tous les gens ont qu'à te dire que tu es bon. Tous les gens ont qu'à te dire que lui, c'est toi. Ça, c'est la gloire des hommes. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas te donner guérison. Ça ne peut pas te donner l'argent. Mais ce qui vient de Dieu, c'est plus que de l'argent. Amen. C'est plus que l'or. Amen. Avec ça, tu dors bien. Tu te réveilles bien. Vraiment, tu as l'impression que tu flottes même dans le vent. Tu es léger. Tu rentres facilement dans ta destinée. Vous voyez, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais dès que tu trouves Dieu, automatiquement, il te répond. C'est la gloire qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Donc ce matin, Jésus voudrait te dire que c'est vrai qu'il y a ton expérience qui est là. C'est vrai qu'il y a votre connaissance que vous avez. C'est vrai qu'il y a l'argent que tu as. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Mais il faut t'appuyer beaucoup plus sur sa gloire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Il fait grandir cette gloire-là. Parce que là où nous sommes arrivés, le diable a doublé de force. Donc il faut que Jésus double sa gloire. Si le diable triple sa force, Jésus va tripler sa gloire. Amen. Mais restez à côté de Jésus. Amen. Dans la prière, dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'humilité, reste à côté de Jésus. Les petits palabres, ça peut t'éloigner de Jésus. C'est comme ça, mais l'ennemi ne veut pas te dire, je suis venu t'éloigner de Jésus. Hein. Mais sans que tu ne saches, ça peut t'éloigner de Jésus. Mais dis à Dieu de te donner sa grâce pour que tu puisses quitter dans ces petits palabres. Reste à côté de lui. N'oublie pas ton test de ce matin. N'oublie pas le message d'aujourd'hui. Qui ne serait point de ta bouche, comme Dieu pouvait le dire à Josué. Il n'a pas dit à Josué que ce livre ne serait point de tes yeux, mais il a dit que ce livre ne serait point de ta bouche. C'est vrai que c'est avec les yeux qu'on lit, mais Jésus ne voudrait pas qu'on lise seulement, mais il voudrait qu'en même temps qu'on est en train de lire, on puisse appliquer cela à notre vie. Il veut qu'à même temps que tu es en train de lire, tu puisses aussi proclamer cela dans ta vie. Donc, proclamez toutes ces choses-là dans votre vie. Ça va vous donner de l'exploit. Dieu te bénisse. Que sa gloire soit sur ta vie. Et que tu ne sois point loin de Jésus. Amen.